Accélère, ça tire à droite. Ah. Voilà. C'est tellement mieux ça, hein? Ah oui. Ouais, et puis, ça marche beaucoup plus. Bon, après la petite là, à mon avis, quand elle est bien réglée, là, il a une boîte 2 dessus, elle doit bombarder. Hein. Ouais, c'est un petit 2,5 en 1/10 là. Du micro RTR sorti de la boîte. Quoi. Alors, ces pneus, ça donne quoi? Franchement, c'est génial. Ils ont... En fait, ils ont beaucoup plus d'approche que les Louise à froid. Et là, maintenant qu'ils commencent à chauffer, c'est encore plus sympa. Après, je vais quand même reprendre des charges neufs, ça c'est sûr. Mais je pense que le prendre des XM5 aussi. Ah, mais tu vois, c'est bien d'avoir commencé avec les pneus Bao là, dans deux packs. Ouais, ouais, clairement, ouais. Que d'avoir commencé tout de suite avec les pneus qui grippent. Parce qu'après, tu pars méchamment au carton tout de suite. Il faut que tu arrives à gérer un truc avec la glisse. Ah, c'est ça. Ça va juste du temps d'adaptation, forcément. Mais quand même, ça passe beaucoup mieux. Moi je tourne toujours trop court avec celle-là. Il faut que je passe de la obité qu'à celle-là. Et celle-là. Enfin, te v'là. Ah là, ça va te faire drôle. Hein. Alors j'ai les mousses là. Mais les mousses, ça marche bien en fait quand t'as les suspensions méga raides. Hein. Parce que quand j'ai fait la BMT, je fais comme si t'as un modèle pareil. Ouais, parce qu'il les largue à 9€ là. C'est pour ça que je les ai pris. Tous les pneus qui vont, ils sont moins chers que là. En fait, c'est les fins de série. Après, les pneus normaux, ils sont même pris. Mais après, les mousses, tu vois, j'ai essayé sur les GT8, mais t'es pas à l'aise avec. Par contre, là, sur la BMT, avec les suspensions méga raides, c'est génial. Ah, ouais. Te dire, j'ai même pas d'huile dans les amorteaux. Ils sont plus étanches, j'ai jamais rempli. Je pense que je vais juste mettre 4 biellettes et changer et virer les amorteaux. Ouais, vaut mieux le plot que le mur. Ouais, ça, on est pas la musique, il y a des plots.
Parce que là-bas au bout, je l'ai mis pile devant le poteau en béton, tu vois. Et il y en a 2-3, ils ont juste fait bien plop dedans. Ouais, mais tu vois, c'est mieux ça que le poteau en béton. Ah voilà. Ah. Ouais, pour une fois, j'ai passé Claude. Ça, on le dira pas dans la vidéo. Vas-y, passe. Ah. Coupure. T'es où? Là-bas. Attention au bout du... Tiens, je t'ai pas vu. Alors, vaut mieux être en coupure qu'en coup dur. Il est où JP? Et il faut venir prêt sur le circuit, il faut pas préparer sur place. C'est pas moi qui pète. Qu'est-ce que t'as mangé, crapouille? Ah, ça c'est des fèves au beurre, ça. J'entends plus ma BMT. Ah, c'est une autre. Je comprenais pas où il était. Ça,
Non, non, il va te prendre un tour. Hein. Il m'a déjà pris un tour. Non, mais chez lui, il s'entraîne en douce la semaine. Là. Ils vont me bouffer, les salauds! Ah! Ouais, Seb, il est sorti! T'avais qu'à pas rouler dessus! Ou alors tu viens d'entraîner ton partenaire. Hop, pardon. Non, j'ai ralenti pour te laisser passer, mais on n'était pas dans le bon axe. C'est Seb. Seb, bravo. Ah. C'est bon quand tu passes la vitesse quand même. Ouais, coupure. Ah. J'ai oublié qu'elle freine pas comme la serpent celle-là. J'ai freiné quand je suis arrivé là. Bon, on va checker les tempes. La batterie, je peux vous dire qu'elle a eu chaud. 70, ça va. C'est pas mal pour un échappement, non? Température d'utilisation. Et moteur 80, tranquille. Hein. 75, 80. Sans ventilo, sans rien. Hein. Ouais. C'est quand même bien. Hein. 56. C'est pourquoi? Ah ouais. Ah, c'est clair. Là, tu le ventiles, mais. Comme il faut, quoi. C'est clair, hein?